tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette pour les mains cette fois-ci parce que mes mains elles sont dans un état lamentable. Et là, je travaille et je discute en même temps. Toujours tiré du bouquin Ma cosmétique à faire soi-même de chez Aromazone. Où est-ce qu'il est? Voilà. Crème douceur de riz pour les mains. J'ai encore pris, bien évidemment, la liberté de changer les ingrédients. Enfin, quelques ingrédients, pas tous. Hein. Pas tous. Allez, je vous donne les proportions. Il donnait la cire émulsifiante. Moi, j'ai pris cœur de crème. Pourquoi je prends cœur de crème? Parce que je trouve qu'elle fait d'excellentes prépas, même si ça ressemble un petit peu à des œufs de... des œufs gluants à l'intérieur, comme ça. Cœur de crème, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, quoi. Vous voyez ça? Voilà. Ça fait comme ça. Hein. Croirez, je ne sais pas. Mais j'aime bien. J'aime bien. Allez, hop. Cœur de crème. Bon, faut quand même que j'utilise. Tiens, j'ai perdu ma recette. Elle est où ma recette? Voilà, voilà. Allez, cœur de crème. L'huile végétale de son de riz. 10 ml. J'allais dire 30 ml. Voilà. Hydrolat de bambou. Hop. J'en ai un. Puis de toute façon, il le donnait. Hydrolat de bambou 20 ml. Actif bisabolol. Moi, je ne l'ai pas pris. J'ai pris le Skin Reaper. Voilà. 6 gouttes. Ben, j'en mettrai 6 gouttes de Skin Reaper. Je vais quand même rajouter l'extrait de plante d'orchidée royale qui est hydratante et anti-âge. Et ça, pour les mains, je trouve que c'est juste pas mal. Et je vais mettre à hauteur de 5%. Voilà. Et puis la fragrance au choix, le conservateur Cosgard, j'en mettrai 7 gouttes. Allez, je pèse tous mes ingrédients et je reviens. Je profite de la fente des glaces. Je profite de la fente de mes ingrédients, la chauffe, pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé le nombre d'abonnés que j'ai et je dois être à 415 ou 416 abonnés à l'heure qu'il est. Je trouve ça juste génial, c'est super sympa de votre part à tous, voilà, ça me fait super plaisir. Et puis ça donne envie de continuer le partage. Voilà, donc il y aura d'autres choses encore qui vont pas tarder à arriver aussi. Notamment des nouveautés dans la savonnerie, là, je vais faire. Et puis dans de la cosmétique solide aussi, parce que j'aime beaucoup la cosmétique solide. Voilà, je voulais juste remercier tout le monde, sans exception. Ça fait très plaisir, voilà. Donc, mes deux phases, maintenant, sont fendues. Hop. Oui. C'est peut-être l'inverse que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave. Ces petits bols là que j'ai acheté je ne sais plus où, chez Auchan je crois, vend pile poil dans les petits bains-marie. Voilà. Bon, je voulais vous le dire, je voulais partager ça avec vous. Hein. Mm.
Bon, une émulsion qui va grimper très vite. Voilà. C'est vraiment une petite crème. Oups. Qui va être toute bien pour les mains. Allez, on va faire les ajouts. Hein. Orchidée Royale. Skin Reaper. Bon, Skin Reaper, il est un petit peu comme les autres. Hein. Et moi, quand ça m'énerve, ça m'énerve. Pas chercher. Midi à 14h. Voilà. Hop, 6 gouttes. Skin Reaper. Je vais quand même remettre le Codigoutte hein, parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir les Codigoutte que il se peut qu'un jour je. Bon. Est-ce que ce serait grave? J'en sais rien. À mon avis, il y a plus grave. Ben voilà. Ça devrait être pas mal mon truc là. L'huile végétale de son de riz est quand même. Et le Skin Reaper devrait quand même pouvoir réparer mes mains là, qui, avec un déménagement. C'est assez coupé là, un petit peu de partout, parce qu'on frotte, on gratte, on défait, on enlève, on range les cartons, hein, bref. Là aussi, il y a pire comme situation, donc je ne vais pas me plaindre. Bon, ben voilà, une bonne petite crème pour les mains. Oh ben, j'arrive pas à la choper, tiens. J'arrive pas à la choper. Voilà. Une jolie texture. Bien brillante. Là-dessus, je vais mettre. Alors, j'ai trouvé une petite boutique là sur Montpellier. Non, sur Narbonne. Qui vend des fragrances qui arrivent tout droit de Grasse. Voilà. Et qui ne sont pas allergènes, etc. Donc. J'en ai pris. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Je vous l'ai. Alors les fragrances, les choses comme ça, hein, c'est. Vous en mettez pas. C'est vous qui voyez. C'est totalement optionnel. Bon voilà, donc le pH est très bien. Allez, je vais colorer tout ceci avec un tout petit peu d'oxyde rose. Ben, ça c'est juste pareil. Hein. Pour faire beau. Voilà, l'oxyde rose. Voilà. Rose, ça aurait peut-être été plus intelligent de ma part de mettre de un mica plutôt qu'un oxyde, mais bon, j'ai juste mis un petit peu plus longtemps à le fendre. Ça, c'est pareil. Je vais bientôt arrêter le papier là et je vais bientôt fermer. Comme j'ai plein de tissus, je vais bientôt faire à la machine. Des petits tissus lavables, recyclables pour nettoyer. C'est un peu écolo, quoi, quand même. Hein. Hop, c'est ça aussi, hein, la cosmétique maison. Alors, est-ce que mon pot va être assez grand? Sinon, je fais un petit pot voyage hein, ou un petit pot table de nuit. Un petit pot salle de bain. Et voilà. Ben voilà. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Du coup, j'en ai un petit reliquat. C'est pas grave. Ça fait un pot télé. Un pot devant la télé, puis un pot dans la salle de, dans la salle de bain, sur la table de nuit, enfin où on veut. Voilà. Crème pour les mains. C'est le petit reliquat. Hop.
On va laisser refroidir tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça, c'était la crème douceur de riz pour les mains que j'ai un petit peu modifiée. Je voulais quand même la tester, oui, tiens, pour vous dire. Après tout, c'est pour les mains, donc allons-y. Hein. Hop. La cendrerie, elle est quand même très très bien. Pour, elle pénètre très facilement dans la peau. Rien à dire, j'ai même pas touché gras. Rien. Voilà, c'était quand même la 5e préparation de la journée. Ou la 6e, je sais plus. Bref. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Allez. Gros bisous, ciao, bye.